bon parent a la responsabilité de donner la paix, la sécurité à sa famille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Sans Tabou. Notre sujet du jour est de demander quels sont les devoirs d'un père. Les réponses tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va monsieur. Très bien aussi. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Oni le prince. Monsieur prince, enchanté. Vous allez nous aider à répondre à cette question. Quels sont les devoirs d'un père selon vous? Bon, le père a le droit de veiller sur son enfant. Par exemple, si l'enfant et l'autre mènent un chemin de débauche, il a le droit de lui donner des conseils à mon enfant. Il faut faire ci, il faut faire cela. Maintenant, côté éducation pour l'école, il a le droit de veiller sur lui de la maternelle jusqu'à ce qu'il soit indépendant lui-même. Soit si c'est le lycée va faire, pour qu'il sache quoi faire lorsqu'il sera à sa propre charge. Merci beaucoup, Monsieur Prince. À très bientôt. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À Kankwe Onel. Monsieur Onel, vous allez nous aider à répondre à cette question. Quels sont les devoirs d'un père selon vous? Selon moi, le père doit pouvoir soutenir ses enfants sur le plan affectif, sur le plan financier et surtout sur le plan matériel. Parce que sur le plan affectif, par exemple, l'enfant a besoin de la présence de ses deux parents, de son père comme de sa mère. C'est ça qui permet à l'enfant de pouvoir évoluer dans la société. Il y a aussi sur le plan financier. L'enfant a souvent besoin, parce que l'enfant a des besoins. Il doit manger, il doit aller à l'hôpital, il doit faire tout ça. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, le père a le devoir plutôt de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants sur le plan financier. Il y a sur le plan matériel, si l'enfant va à l'école et tout ça. Il y a ça aussi. Merci beaucoup, Monsieur Onel. À très bientôt. Merci. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est Freddy Kounouro. Je suis étudiant en informatique, troisième année. Enchanté, Monsieur Kounouro. Vous allez nous aider à répondre à cette question. Qu'est-ce que les devoirs d'un père selon vous? Les devoirs d'un père. Comme on le dit, le père, c'est le chef de la famille. Comme devoir, il a le devoir de prendre soin de ses enfants, de veiller sur leur éducation, leur bien-être et bon, tout ce qu'il y a avec pour porter ses enfants, sa famille et tout. C'est un peu le devoir de ce que je peux dire concernant les devoirs d'un père. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kounouro. À très bientôt. Merci, madame. La responsabilité n'est pas un acte enfantin, mais plutôt un acte de responsabilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. C'était Candide Audi au micro.